attention, please. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur ce troisième épisode de Planète Base. Donc je m'excuse, ça a continué un tout petit peu par rapport au dernier épisode. Le vaisseau qui s'était posé, là, c'est en train de construire. J'ai oublié de mettre pause. Bon, c'est pas grave, pour une fois que le let's play ne part pas en cacahuète. Donc là, on a de quoi stocker. On a de quoi survivre en oxygène, on a une production d'eau. Production de matières premières. On va attendre que ça stocke. Production de nourriture. Tout le monde est content. Personne ne fait la gueule. Pour une fois, on a un let's play qui se passe et qui se déroule à peu près bien. C'est déjà pas mal. C'est un bon départ. Maintenant, va-t-on passer ce troisième... Puisqu'en règle générale, mes let's play ne durent pas plus de trois épisodes. C'est une autre question. Donc ici... On a l'infirmerie, on stocke les médicaments et on soigne. On a notre production de nourriture qui pour le moment a l'air suffisante, quoique je peux peut-être rajouter de la production. Donc on a des radis, des tomates, des laitues, plantes médicinales, des pommes de terre, du riz et des pois. On peut peut-être rajouter... un peu de production ici. Alors, on peut mettre du blé qu'on n'a pas. On peut mettre ça qu'on n'a pas. On peut mettre des champignons. Donc on avait dit qu'on avait la laitue. Tomate, radis, laitue. Ok. Donc on a tomate, radis, laitue. Les oignons, on n'a pas. On va rajouter les oignons. Donc logiquement, on a rajouté les champignons. La question diversité, je pense qu'on est paré. En fabrication, là, il faut à tout prix qu'on produise. Donc là, on a une deuxième éolienne à produire. Il faut qu'on produise des pièces détachées pour réparer la base. Pour le moment, ce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'a pas produit assez de... un commerçant... on bouffe, on est limite. Mais on n'a pas de stock pour le moment, tant pis. Donc ici, on va construire un deuxième pièce détachée. Et on va commencer à penser à tout ce qui est accessoires autour. Donc on a notre zone de stockage, donc on va penser aux loisirs pour nos colons aussi. Donc les loisirs, c'est là. Donc on est ici. Le dortoir, on reçoit personne de plus pour le moment. Donc on va leur mettre des loisirs par là. Histoire de les divertir. Pour le moment, j'accueille pas plus de colons parce que je veux vraiment qu'on ait une production de bioplastique et de ferraille en avance. Là, faut qu'on fasse nos pièces détachées. Donc si on regarde nos stocks, c'est en chute, ok, mais on produit, hein. Et repas. Alors Atlante m'avait dit, c'est normal, il n'y a que la viande qui est cuisinée. Et ça a l'air pas fou, quoique. Non, les légumes aussi sont cuisinés. Les légumes aussi. Il n'y a pas que la viande qui est chauffée, qui fait des plats chauds. Par contre, c'est pas faux que ça descend assez rapidement.
Ok. Bon là, prochain objectif, c'est construction de robots. Mais je veux vraiment qu'on nous produise nos pièces détachées manquantes. Parce que là, en pièces détachées, il nous en reste 5. Il nous en faut beaucoup plus. Pièces détachées, pièces armurerie, pièces détachées. Donc pour le moment, l'armurerie, on n'en a pas besoin. On arrête la production. Le silicium, on arrête la production. On veut que masse pièces détachées. Ah, on a notre robot. Donc on a un ingénieur normalement qui vient le réparer. Qui est fatigué, pauvre gars. On avait 5 pièces détachées avant. Il nous répare le robot. Je veux juste vérifier si ça nous a coûté une pièce détachée. Apparemment non. Non, ça c'est confirmé. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est construire des robots. Plantes médicinales, médicaments, on n'a pas besoin. On ne s'occupe pas de ça. Ok. Donc là, on va finir. Multidome, c'était... le dôme de sport. Pour faire du sport et de leur fournir de la distraction. Donc pour le moment, production d'énergie, on est large. Nourriture, ce coup-ci, on a la diversité. Je pense pas qu'ils fassent grève. Le stockage, bon, on n'a plus qu'à attendre que ça stocke. Apparemment, on consomme peut-être. Non, on consomme, ça va. Non, pour le moment, on est bon. Là, je veux mes pièces détachées pour entretenir la base. Une fois que j'aurai un stock assez important de pièces détachées, on pourra peut-être se permettre d'activer les 3 autres modules. Du moins, les 2 autres modules. Vais-je peut-être enfin passer le 3e épisode d'un let's play sur Planète Base? Bonne question. Je continue à vous dire, participez, commentez. Profitez de commenter, quel que soit le let's play que je vous présente. Vous pouvez toujours sur, par exemple, Planète Base, me donner des conseils, me demander de faire des choses. J'essaierai de les appliquer suivant mes périodes de tournage par rapport au let's play en cours. Ça, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est me conseiller d'autres choses. Hein. On n'est pas obligé d'être basé et quand on est sur un seul let's play, n'hésitez pas. Ce qui me fait tenir, ce qui fait que depuis ces 2 voire 3 années que je passe avec vous, que je continue, c'est vous. C'est toi derrière ton écran. C'est toi qui me conseille, c'est toi qui commente, c'est toi qui me demande. Qui fait que j'ai envie de continuer. Parce que si je me cantonne simplement à ce que je vous propose, des fois, on va pas loin. Hein. Donc là, on va mettre 2 fontaines. C'est le centre de loisirs. Donc où les colons peuvent se divertir. On va leur mettre une télé aussi. Non, il veut pas là. On est une 20aine de colons. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, un peu de plantes. Des plantes, on devrait en mettre un peu partout quand même. Un deuxième écran, si possible. Ok. Donc je disais, des plantes, on devrait en mettre un peu partout. Ici, on n'en a pas mis. On va rajouter une table.
distributeur on peut pas, si, ici. Et une fontaine supplémentaire. Là, une plante. Là, et un écran là. Tempête. On n'a toujours pas fait le poste de garde. En statistique. La joie. L'eau. On devrait être bon. L'oxygène. On est bon. Électricité. Ah, peut-être commencer à vouloir stocker l'eau. Plateforme commerciale, on peut en rajouter une autre. Chambre. Que là j'ai lancé deux productions, j'ai pas entendu que mais bon, ça devrait être bon. Où on voit le bonheur. Prochaine prévision, fabrication des robots. Laboratoire on a fait, usine on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Ah, un lieu pour se détendre. Un lieu pour se détendre. Normalement, on peut y aller. Hein. On n'a pas besoin d'avoir à craindre. Ah, peut-être attendre quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils sont fatigués. Ben, ils n'ont qu'à aller dormir. Surtout que les lits sont vides. Je voulais foutre plusieurs un truc qui est coincé. Une barre, on l'a prévu, dortoir. Dortoir, donc là on va enlever celui-là. Il faut un bar. On va mettre le bar ici.
Pour le moment, on est bien. Là, les mythes en collant, il nous faudrait un et un. Voilà. On avait dit, il nous faut une fabrication d'usine de robots. Mais il faut déjà finir ce qu'on a là. Donc là, pour le moment, on a une base fonctionnelle. Avec pas de problème d'énergie. Pas de problème de nourriture. Pas de problème de ceux qui font la gueule parce qu'ils s'ennuient ou s'emmerdent. Donc pour le moment, sur ce let's play, pour une fois, on n'est pas trop mal. Il y a juste la production de pièces détachées qui m'inquiète. Parce que il nous reste plus que 3 pièces détachées. Et on n'en produit pas. Pardon. Vous êtes trop nombreux à penser à moi, j'ai le hockey. J'espère que toutes les bêtises que je dis sur ces sur les let's play précédents et ce let's play amènera à des commentaires quand même. Parce que c'est un peu le but. De temps à autre sur mes let's play, j'essaye d'activer ou de vous solliciter à des commentaires. Soit en disant des conneries, ça je suis champion, c'est pas facile, c'est pas difficile, pardon. Soit en vous incitant à répondre. Donc là c'est vrai que sur le let's play, les deux précédents let's play de Planet Bash, je suis assez assistant parce que moi-même je suis désespéré du fait de pas vous proposer un let's play complet et qui a une fin. Mais là, ça a l'air d'être bien parti. Pour une fois. Le bonheur, je sais pas où on voit le bonheur de nos colons.
c'est quoi ça? Les réseaux. C'est notre production, donc ça, ok. Ça, de toute façon, on veut les produire à l'infini. Notre réserve est pas mal, mais par contre, en pièces détachées, il nous en reste plus qu'une. Ou deux. Là, il nous dit deux. Parce qu'il en utilise une. Et là, si on produit pas nos ingénieurs, je vais commencer à me fâcher. On va peut-être demander des ingénieurs supplémentaires. Ingénieurs. On va reprendre. On veut que des ingénieurs. Voilà. Il nous faut des ingénieurs. Il faut à tout prix qu'ils travaillent, les gars. Parce que là, il n'y a que les ingénieurs qui peuvent nous produire ça, même si on n'a pas les ressources. Mais qu'on nous envoie au moins encore quelques ingénieurs. Donc là, on devrait commencer à stocker le surplus d'eau. Comme on produit plus qu'on ne consomme, on doit pouvoir stocker. Impeccable. Donc là, en théorie, j'ai pas eu le temps de voir qui est arrivé. Mais on va arrêter les colons. On est à 25 sur 30. Il nous faudrait peut-être enfin penser à prendre des gardes. Prochain voyage des gardes pour faire la salle de garde. Et après les trois gardes, on arrêtera l'arrivée des colons pour le moment. Ressources épuisées, les pièces détachées. Je m'en doutais bien qu'à un moment on serait emmerdé avec ça. Prochain commerçant, il faut essayer de voir si on peut acheter des pièces détachées. Parce que ça peut être une cause de la perte de notre base. Donc là, en théorie, on n'a que des gardes. Deux gardes. Ça sera déjà bon pour le moment. On arrête d'accueillir les colons. On veut plus que des marchands. On va quand même se prévoir une plateforme commerciale. Hop, ça veut pas. J'aurais pu cru qu'on aurait pu la poser là. Ça m'arrange pas là. J'aurais cru qu'on aurait pu la placer. Ça fait loin. À moins de mettre un autre sas. Peut-être mettre un autre sas. Et du coup, on peut placer plateforme commerciale ici. On va laisser la base se développer tranquillement. C'est la première fois que j'arrive au bout du... Si je me trompe pas, c'est bien le troisième épisode ce coup-ci. Sans catastrophe majeure, sans qu'on ait des problèmes et qui se développe petit à petit. On va peut-être enfin passer le troisième épisode. L'épisode maudit de ces let's play sur Planète Base. Des fois, je vous avoue, c'est désespérant. Par contre, on fait toujours et on ne produit toujours pas de pièces détachées. Allez, vends-nous des pièces détachées.
4. Si je prends les 4, il me faut 155. 155. 2. 4. 160. C'est un risque hein, que je prends là. Ça, c'est un risque. Mais il nous faut les pièces détachées pour entretenir notre matos. En même temps, si je demande à chaque fois de construire, c'est sûr qu'on n'a pas les matières premières pour produire les pièces détachées. Là, je continue à faire des erreurs en vouloir agrandir la base avant de pouvoir faire un stock. On arrive au terme de cet épisode. Pensez à liker, commenter, commenter, surtout commenter les gars. Hein, toi qui es derrière ton écran, qui me suis tous les jours assidûment sur tous les épisodes que je peux faire, quel qu'il soit, commente, commente, commente. Partagez aussi, ça invite les autres à venir voir ce que je fais. Et si ça plaît, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi, c'est motivant. Et je vous dis, et je te dis, à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde!